le dessin correspond. On tient enfin le gluogon. Ah, les autres chasseurs peuvent aller se rhabiller. La prime du concours va être à nous. Un dragon est dangereux tant qu'il n'a pas été terrassé. Allons, t'en fais pas, Lian-Chu. J'ai ici le mode d'emploi pour le dessouder en moins de 2. Fini le temps de la chasse à l'instinct. Maintenant, place aux intellectuels. C'est comme ça qu'on laisse la concurrence loin derrière. Oh. Salut les perdants. Et que ça vous serve de leçon. Un bon chasseur, ça cause pas pendant des plombes, ça doit agir. Ouais, c'est vrai, la chasse au dragon, ça s'apprend pas dans les bouquins, Nabo. Nabo, t'entends ça, Lian-Chu? S'il était pas plus grand et pas plus fort que moi, je te jure que je lui ferai avaler sa langue à ce dadé-là. Allez, viens, on s'en va, Gwizdo, c'est trop tard de toute façon. Ne crois pas ça. Eh oui, mon grand. C'était une ruse. Le gluogon simule sa mort quand il est menacé. Tout est écrit dans le Dragonomicon. Dommage que les Forestall ne m'aient pas laissé le temps de les prévenir. Il fallait dévorer vivant. Yanshu, le cœur du dragon se trouve à la naissance de sa queue. C'est là son point faible. Désolé, mais faudra vous contenter de la deuxième place, les gars. Celle des perdants. Que ça vous serve de leçon. Un bon chasseur doit jamais foncer tête baissée. Grosse moue de Forestall. On serait bien resté pour le thé, hein. Seulement faut qu'on y aille, hein. Parce qu'il se trouve qu'on a un prix à toucher. À vous la baffe puante et à nous les pièces d'or. Salut les pauvres types. Reviens, sale nabou. Quoi? Mais c'est de l'arnaque. Le règlement est très clair. Vous deviez ramener le dragon avant le coucher du soleil. C'est écrit juste là, en tout petit caractère. Cela dit, merci quand même de nous avoir débarrassés de ce monstre. Vous avez toute notre gratitude. Dis, tu crois que cette chère Jeanneline acceptera d'effacer notre dette contre un peu de gratitude? Jamais, vous m'entendez? Jamais ma cuisine n'a été dans un tel état. 3 jours que la vaisselle s'accumule pendant que ces messieurs prennent du bon temps. Risquer notre vie en chassant le dragon? T'appelles ça prendre du bon temps, toi? Vu qu'apparemment ça ne rapporte pas d'argent, je considère donc que c'est un loisir. Alors maintenant, mon petit père, tu vas me faire le plaisir de te mettre au boulot, d'accord? Et que ça saute! Ça perlouille, il est temps qu'on se dégote un vrai contrat. Lian-Chu? Eh ben voyons, une fois de plus, c'est Bibi qui se paye tout le boulot. Il y a un monsieur qui voudrait causer avec toi. Non, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Balbadur, président des entreprises Balbadur. Et vous avez dû entendre parler de moi. Non. Monsieur Balbadur est un riche marchand de la ville. Certes, mais pas seulement. Je suis aussi un grand amateur de sensations fortes. Et ma nouvelle passion, c'est la chasse aux dragons. Mais comme je suis encore inexpérimenté dans ce domaine, j'aurais grand besoin d'un guide. Madame m'a dit que vous seriez la personne idéale. Ça tombe bien, Gwizdo et moi, on cherche justement du travail en ce moment. J'ai dit un guide, pas 2. Ah non, je ne chasse jamais sans Gwizdo. Il accepte. La chasse aux dragons n'est pas un loisir. Je ne combats que ceux qui mettent des vies en danger. Vous savez lire? Non. Ça tombe bien, j'ai justement ici un contrat établi avec de pauvres villageois persécutés par un animal. Donc je crois que tout est en ordre, on part demain matin. Aubergiste, est-ce que ma chambre est prête? Mais certainement, messire. Zaza conduit monsieur à sa chambre. Je l'ai. Grâce à ce qui a marqué dans ce bouquin, les dragons n'auront plus de secrets pour nous. Mais tu sais lire, toi? Non. Ah, mais j'ai pensé à tout, hein. Et j'ai acheté ce petit manuel à un brocanteur. Comment apprendre à lire en seulement 10 leçons? C'était pas donné, mais avec ça, y a pas de problème. Pas de problème, t'es bien sûr? Tu crois que je me suis fait arnaquer? Je vais te dire, moi, ce qu'il faut faire. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui sait lire. Ah ouais? Mais qui? Eh ben, le propriétaire du livre, pardi. Tu veux dire le brocanteur? Mais non, Gwizdo, crétin. Ah ouais, bonne idée. Comme ça, il nous apprendra à lire et on pourra lire le manuel. Comment apprendre à lire en 10 leçons? Quoi? Tu vas changer de partenaire? Tu vas me laisser tomber pour un parfait inconnu? Bien sûr que non, Gwizdo. C'est juste pour cette fois, histoire d'éponger nos dettes. Alors non seulement tu n'as plus besoin de moi pour chasser, mais en plus, maintenant, c'est toi qui ramènes les contrats à ma place! Intéressant, au moins. Très juteux. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus besoin de moi ici, je m'en vais. Oui, je pars, Yanshu, je ne veux pas entraver ta nouvelle carrière. Alors, adieu. Bon, mais après tout, de quoi je me plains, moi? Pendant que Lian-Chu fera tout le sale boulot, moi je serai en train de me reposer bien tranquillement à l'auberge. Hein? Bouge pas ou sinon... Oh, t'inquiète pas, va, c'est que du flan, comme d'habitude. Oh. Gwizdo. Vous devriez me laisser piloter. T'as raison, c'est vraiment pas évident de diriger cette boîte. Oh. Tu préfères pédaler, peut-être? Ah, je suis désolé de vous décevoir, les gars, mais c'est pas le bon bouquin, ça. Celui-là, c'est le livre de recettes de Jeanneline. Bon, dans ce cas, on peut le balancer par-dessus bord et toi avec. Non! Allez, en route, chasseur. T'en fais pas, Lian-Chu, il reviendra. Vite, aidez-moi! Il y a 2 dangereux assassins qui sont à mes trousses! De la mousse? Pourquoi faire de la mousse? Eh hey, vous! On m'a enlevé! Cachez-moi! Non merci! Je viens juste de finir mon sandwich à l'oignon! Mais ils sont tous sourds comme des pots dans le coin. Oh. Alors, on s'en va sans dire au revoir? Vous êtes là pour le dragon? Vous tombez bien! Il nous a attaqués il y a quelques minutes. Et comme d'habitude, il a vidé toutes les ruches, ce sagouin. On dirait que le nabou nous a trouvé du boulot. Bon, je vais vous faire un prix d'amis. 50-50. 50% pour vous, 50% pour moi. J'ai une autre offre. Tu nous dis ce que tu sais sur ce dragon et on ne te tue pas. Enfin, pas tout de suite. Ça marche? Ah, ça marche. Il s'agit d'un dragonus vociferus, plus connu sous le nom de dragon hurleur. S'il s'attaque aux ruches, c'est pour le miel. Il s'en sert pour calmer sa gorge irritée à force de hurler. Après avoir avalé le miel, il doit alors soulager sa bouche à cause des piqûres d'abeilles. Et pour ça, il lui faut de l'ammonium. Quoi? De l'ammonium? Où est-ce qu'on trouve ce machin? Dans l'oignon, abruti, collègue. Et vu la laine des gens du coin, doit y en avoir en abondance dans le patelin. Beau travail! Tiens, pour te féliciter, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai piqué ça au clébard. Au moins maintenant, on te perdra plus. Ah, l'adrénaline de la chasse, c'est si excitant. Ah, gratalbur, ah, grapouf, type. C'est par là. Je suis désolé de vous contredire, Lian-Chu, mais j'ai trouvé une empreinte qui va plutôt par là-bas. Non, c'est impossible. Vous voulez parier? Tu vas réveiller le dragon. Cherche dans ton bouquin comment le zigouiller au lieu de te gratter. Puisque c'est demandé si gentiment, Alors, la carcasse du dragon hurleur est impossible à percer, mais il a un point faible, ses oreilles. Hurlez au plus près de ses tympans et il tombera raide en 2 secondes. Attention, hein, n'essaie pas de nous baratiner, Nabo. Oh, mais si vous me croyez pas, hein, vérifiez donc par vous-même. Très bien. Bien, allons lui régler son compte. Ah! Approchez-vous plus près, les gars. Ah! Ah! Peut-être qu'il est déjà mort. C'est bien compris. Quand je vous donne le signal, vous coupez cette corde. Vous travaillez vraiment à l'ancienne, vous. Vous savez que les techniques de chasse se sont modernisées depuis le temps. Les miennes ont fait leurs preuves. Peu importe, finalement, du moment que je rapporte un trophée. Quel trophée? Si je vous aide, c'est uniquement parce que ce dragon s'attaque à des villageois. Oui, oui, bien sûr, mais je tiens à mon souvenir. Pas de trophée, pas d'argent. Moi, je suis là pour m'amuser. Au diable, les pièges archaïques. J'ai une bien meilleure idée. Balbadur, coupez la corde maintenant! Place aux méthodes modernes. Ah! Mais où est-il? Il est parti en fumée. Oubliez votre trophée. Il n'en reste plus rien. Et si vous me refaites un coup pareil, c'est moi qui vous explose, compris? Cette espèce d'avorton doit pas être loin. Moins fort, je suis pas sourd. Ah oui, je vois bien qu'il fait jour. Ah, ah. Oh, ah, vous êtes là. Je vous cherchais justement. On va te faire passer l'envie de nous raconter des salades. On aurait pu se faire dévorer par ta faute. Mais j'ai dit la vérité, je vous jure. Lui hurler dessus suffit à le tuer. Évidemment, si vous avez oublié de lui déboucher les oreilles, faut pas s'étonner. Eh ben oui, il est sourd. C'est pour ça qu'il hurle. Quoi? J'ai jamais dit ça, moi, sale petit menteur. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Ah bon? Je ne vous l'avais pas dit? Tiens, ça m'étonne. Oui, eh ben j'espère pour toi qu'on retrouvera sa piste. Hein? Ah, t'as de la chance, Nabo. Où allons-nous trouver un autre dragon à chasser? Pour commencer, il faut trouver des clients en danger. Oh, oh, il y a quelqu'un qui hurle. Ça sent le danger là-bas. La bave du dragon. Il est sûrement passé par là il y a pas longtemps. T'as raison. Ça y est, j'entends à nouveau tout ce que tu me dis. Je suis plus sourd, je suis plus sourd. Franchement, on dirait pas. Mince, il nous a échappé. Il est tombé. Mais non, voyons. Si les racines sont couvertes de bave, c'est qu'il s'est servi de sa longue langue visqueuse pour monter jusqu'ici. Ce qui veut donc dire qu'il venait d'en bas. Sa tanière doit être quelque part là-dessous. Bien joué, petit. Tu viens de gagner le droit de passer devant. En même temps, c'est pas sûr, hein. Faut pas croire tout ce qu'on dit dans les bouquins, hein. Oh, ah. Chaud devant. Ah. Ah. Alors, vous voyez, il n'y a rien. On n'a plus qu'à remonter maintenant. Oh, regardez, ça doit être l'île du dragon. Et il suffit de sauter quand elle passera en dessous de nous. coup. Ouais, à condition de ne pas la louper. N'oubliez pas d'embrasser le dragon de ma part, bande de gros nuls. Ah, vous avez cru que je voulais me sauver, pas vrai? Vous êtes bêtes, c'était une blague. Dites, vous pouvez m'aider? Ouais, parce que mes mains commencent à le glisser, là. T'entends quelque chose, frérot? Non, je suis encore sourd. Ouais, moi aussi. S'il vous plaît, noble chasseur, ayez pitié. Merci. Remercie ton livre. C'est surtout lui qu'on voulait remonter. Un grand brief! C'est le casque de Gwizdo. Il est descendu par là. Il n'était pas seul. Alors, vous avez trouvé la piste d'un dragon? Oui, il faut le retrouver, et vite. Va voir si ce sont bien des œufs de dragon hurleur, demi-portion. Comment je peux savoir, moi? Un œuf, c'est un œuf, non? Tu sais quoi? T'as qu'à faire une omelette. Si ça hurle pendant que ça cuit, c'est que c'est le bon. Oh, oh, ah, des sables mouvants! Hé, les frangins vides, sortez-moi de là! Attends, on va s'en servir d'appât pour tendre un piège au dragon. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que ça me plaît pas, mais alors pas du tout! Parfait, continue de brailler, ça va attirer le dragon. Oh. Surtout, avancez avec prudence, cette île est couverte de sable mouvant. Oh. Oh. Vous êtes un génie! Je savais que je pouvais compter sur vous. Mon instinct ne m'a jamais trompé. Maintenant, allons lui faire sa fête. Pas tout de suite. Je sens qu'un ami est en danger. Je dois d'abord suivre sa trace. Quoi? Il n'en est pas question. C'est moi qui commande ici. Si vous voulez être payé, va falloir m'obéir. Arrêtez-vous! Vous m'entendez? Je vous demande de vous arrêter. Je me plaindrai à la guilde des chasseurs. Je vous ferai radier. Vous ne pourrez même plus chasser les mouches. Mes potes! Pas bouger. Pas bouger. Pas crier. Au secours! Gwizdo, tiens bon, on arrive. Non! Attention! Par la glande du mimicar, quelle prise! Le roi des chasseurs lui-même et son espèce de toutou débile. Balbadur. Qui ça? Maître Balbadur, un redoutable chasseur. Aucun dragon ne peut lui résister. Ah ouais? Oh, il va nous piquer de dragon, celui-là! Je suis bien content de vous revoir, les amis. Dommage que je sois en train de vivre mes derniers instants. Ça gâche un peu le plaisir. Tiens bon, Gwizdo. Hector, fais comme moi. Ça me rappelle le bouillon de rotule de Jeanneline. En moins amer. Gentil, petit, gentil, gentil. Oh. On le tient. l'école et travaille. Cette tête fera très bien à l'entrée de mon domaine. Parfait. Mais avant, faut passer à la caisse. Je vous paierai, mais à la livraison. Pas question, cet animal ne bougera pas d'ici avant que vous ayez payé Lian-Chu. Gwizdo... Non, Lian-Chu, attends, je suis en train de défendre tes intérêts, là. Écoutez, faisons un compromis. Une moitié maintenant et l'autre à la livraison. Je crois que c'est inutile. Vendu. Et voilà le travail. Il est où, le dragon? Il est là. Hein? Moi, il me faut un trophée. Celui-là fait un peu minable, mais c'est mieux que rien. Maman! T'auras un grimpant top comac! Tu crois qu'il est toujours à nos trousses? Évidemment que j'ai la frousse! Si ça se trouve, il est encore à nos trousses! Qu'est-ce que tu dis? Non, mais samedi, c'était hier, jeudi! Hein? Kidnappé ou pas, t'as des corvées à finir si tu veux profiter de mon hospitalité! Et que ça saute! Oh! Quand je pense que je suis obligé de délaisser ce livre qui passera sans nul doute à la postérité comme une œuvre majeure pour aller récurer des casseroles... Ouais, ben pendant que ton livre passe à la postérité, toi tu passes un coup de serpillière dans les toilettes, compris?